Salut la jeunesse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de meilleur jeu Android du moment. Et oui, carrément, pour moi, c'est le meilleur jeu Android du moment, de gratuit, j'entends, bien sûr. Call of Arena. Call of Arena est un petit jeu de gestion de Ludus. En fait, vous gérez votre Ludus et vos gladiateurs, à l'instar d'un Cityville ou de tout autre jeu du même genre. Vous devez monter vos bâtiments de niveau. Ce qui est assez rapide au début et quelque peu plus lent par la suite, ce qui est tout à fait normal. Je suis level, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, 54. Et je joue à ce jeu depuis le mois d'août, nous sommes le 15 octobre. Donc voilà, donc là vous avez les petits gladiateurs que j'ai qui s'entraînent. Pour l'instant j'en ai que deux à l'entraînement. Celui-là était level 30 et celui-là est level 28. Alors, vous achetez vos gladiateurs ici en passant par la taverne. Les gladiateurs ont donc plusieurs niveaux. Vous avez des gladiateurs de rang B, des gladiateurs de rang C, des gladiateurs de rang D, rang E, des gladiateurs de rang A et de rang S. Et des gladiateurs légendaires tels Spartacus, Hercule, et Jeanne d'Arc, Versailles de Risque et tant d'autres. Donc pour l'instant je n'ai qu'un seul légendaire. Donc je vais essayer de vous le montrer. Il est ici. Donc voilà. Donc ça c'est mes petits gladiateurs. Et le légendaire est ici. Alexander. Alors on pourrait avoir des gladiateurs légendaires dès le début. Mais plus vous augmentez de niveau, plus votre armée est taverne augmente de niveau, plus vous avez de chance d'avoir des gladiateurs puissants. Donc là, je peux avoir des gladiateurs entre C et légendaire. Et au début, c'est entre F et légendaire. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 gladiateurs rang S assez vite, mais pour le légendaire, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je profite pour récolter. Mon Ludus est niveau 6, ce qui est assez bien vu que le max est niveau 8. Et il devrait être incessamment sous peu niveau 7. D'ici 4-5 jours maximum. Donc je vais vous montrer les systèmes de combat. Alors, vous avez les tournois quotidiens. Des tournois selon les classes de vos personnages, si manier les lances, 2 épées, etc. Vous pouvez en faire 3 par jour, ce qui fait que avec ces tournois vous allez pouvoir améliorer légèrement vos armes. Moi j'ai surtout des gladiateurs double lame, j'avoue. Vous avez aussi une partie pour trouver un adversaire automatiquement, pour piller vos adversaires. Des combats quotidiens, je vais en faire un d'ailleurs, qui augmentent. Ah, je peux pas prendre lui, c'est dommage. Parce que vous voyez, il a plus que 20 en vigueur. Il faut qu'il ait un peu plus que ça pour. Il faut qu'il ait au moins 21, je crois, pour pouvoir participer. Alors, soit il faut attendre, soit il faut les reposer en prenant des bains. Soit il faut payer 20 diams, quoi. J'ai pas envie de payer 20 diams. Ah, j'ai pas mon meilleur gladiateur, c'est dommage. Et voilà, je vais vous montrer les combats. Voilà, où j'ai ici, il y a des stratégies. Ah non, pas dans ce mode de jeu. Dans ce mode de jeu, ça se fait automatiquement, c'est vrai. Sinon, vous pouvez bouger les gladiateurs pour élaborer des petites stratégies, mais pas dans ce mode de jeu. Alors, vous avez 3 vitesses pour aller plus vite, hein, donc je vais mettre vitesse 3. Alors, le maximum que je suis arrivé c'est 14 et là je crois qu'on va faire 11 ou 12 mon grand maximum.
Peut-être 13. Eh, peut-être même 14. Non, 13 seulement. Non, non, 12. Bon, c'est pas si mal. Et avec ces petites étoiles que vous gagnez là, vous pouvez... Vous augmentez la force de votre guilde et vous pouvez débloquer certaines compétences, des gladiateurs ou autres. Voilà mon alliance. Donc je suis le leader. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends sur le jeu, sur le serveur Apollo et ma guilde les War World Team FR. Donc si vous décidez de jouer à ce jeu, rejoignez-moi. C'est une guilde 100% francophone, il y a de la place. Je vous attends.